Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité. Bonjour. Oh. Parlez aux sympathiques personnes. Bonjour. Oh oui, je m'en rappelle. Bonjour les mecs. Yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the envelope? These witch doctors must be cooking up a secret potion. Wonder if it's a healing potion. Tenez. Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit. It's a kip. Mais non, je suis pas un flic. Well, what the heck? I'm gonna get grounded anyway, you might as well. Ok, voulez-vous la faire comme ça? On va se la faire comme ça. 122, 106, 122, 106. Boum! Hop! Feel my righteous fury. Je l'ai chié, je crois. Je l'ai chié. Oh non! Je l'ai chié, quel dommage! Oh la vache, ça fait mal ça. Je crois qu'elle est morte. Parfait. À son tour maintenant. Hop là. Parfait. Un petit doigté. Merci. Maintenant on frappe. Hop là, boum. Oh, je peux pas l'esquiver celle-là. Hein. Ah si. Étrange. Hop là, toi t'es mort. Non, je vais pas. Ah, j'ai appuyé sur le clic gauche. Quel imbécile je fais, j'ai appuyé sur le clic gauche. Hop, il est en sang. Normalement. Boum. Prends ça. Alors. Les mecs. Hop. Hop. Et hop. Je voudrais pas dire, mais... Ça sent l'incendie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, hein, mais moi... Disons que je le vois venir un petit peu, l'incendie, là. Hop. Débardeur, équipement, d'accord. Ah non, c'est bon. J'avais peur que ça... Ça n'explose ou quelque chose dans le genre, bizarrement. Alors, ici j'ai vu quelque chose qui doit se péter. Voilà. Et ça fait une sorte d'escale. De. D'échelle, pardon. Hop. Why not? Et il me semble que justement ici, je peux mettre un truc pour l'homme au sport. Parfait. On y va. J'ai récupéré tellement d'objets, je crois qu'il faut que j'aille voir quand même ce que j'ai récupéré. Ce serait pas mal. Hop. Ici. Club en bois de Kenny. Ah! Alors, 11, 15 x 3. C'était bien ça. Celle-ci est mieux. Hop. Ah, faut que j'aille déséquiper ici. Retirer. Équiper ça. Modifier. Voilà. Normalement, on va faire plus de dégâts avec ça. J'ai vu qu'on avait un débardeur aussi. Rien bien intéressant, cela dit. J'ai vu aussi qu'on avait autre chose ici. Ceci. On dirait Archmed de Dead Terrorist. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Je suis crevé. Oh mon dieu, ces lunettes.
J'en avais une autre normalement, voilà. Teinture. Hop. Par contre, je vais retirer les lunettes, parce que ça va pas le faire sinon. Voilà. Ça rend pas si mal. On n'a pas de raison de se plaindre. Bonjour. Alors, est-ce que Kenny est là? Yo. Oh hey, you're the new kid. My sister the princess texted me about you. She thinks you're cute. Oh, Kenny trouve que je suis mignon. Comment je dois le prendre? Les poils plus bien dans le frigo, mais bien sûr. Ok. Ok. Je reviendrai pas ici. Je reviendrai pas ici. Ok, Kenny. Hop, merci Kenny. Ouhou. Bref. J'adore Kenny. C'est vraiment le meilleur. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment lui le meilleur. Alors. Je crois qu'il y a un truc à aller récupérer chez moi dû à un DLC apparemment que j'aurai. Alors là, ça m'a choqué, mais bon, pourquoi pas. Oh. Salut les mecs. Hop les. Yo. Faut que vous essayiez ma batte. Boum. D'accord. Boum, prends ça. Ok. Boum. En prochain tour, il est mort normalement. Boum. Ça va te servir à rien ton armure. Voilà. Faut vraiment le faire au dernier moment en fait. Lui il va mourir. Boum. Voilà. Et maintenant, à ton tour. C'est fait. Aïe, ça fait mal. Ça fait atrocement mal. Tu vas brûler pour ça. Dommage. Dommage, dommage. On a pris beaucoup trop de dégâts. Je trouve que c'est pas aussi réjouissant que ce que je pouvais imaginer. Bon, c'est pas grave, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Potion de guérison, je suis déjà full. On va passer vite fait chez nous. Je sais plus c'est contre quoi qu'ils avaient justement fait un procès, je m'en rappelle plus. Et qu'il était super bon en plus lui. Alors on est chez qui ici? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus où je suis. La maison de Butters. Tiens Butters, voilà. Et là ça doit être chez nous. C'est ça. C'est chez nous. Parfait. On va aller voir dans notre chambre, dans notre coffre. Apparemment, il y a quelque chose d'intéressant. T'as vu, j'ai ramené un copain. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. Come on, son, get out there, make friends. Ah, il me dit d'aller me faire des amis. Donc, on a récupéré un autre point. Donc, je pense qu'on va mettre un vent de guérison. PP maximum augmente de 20. On va mettre ça alors. Hop. On monte dans notre chambre, on va aller voir. Hop. Et apparemment, on a reçu quelque chose dans notre coffre, à moins que c'est le coffre UPS. Non. Alors, le coffre à jouer.
Réserve, équipement. Ah, d'accord, on a récupéré plein de trucs. Ça peut être sympa, j'ai l'impression qu'il y a une tenue de voleur. Alors. Capuche de sorcier. Masque d'assassin. Rapporte 10% d'argent supplémentaire. Sorcier, c'est quoi? D'accord. Hop. De l'argent partout, ça me dérange pas. J'ai pas le niveau pour, d'accord. Là, j'ai complètement changé de stuff, c'est cool. C'est le stuff pognon. Allez comprendre. Hop. Alors, faudrait qu'on retrouve les autres endroits pour... Non, déjà, je vais voir un autre truc. La merde, défenseur sacré, ça ressemble à quoi? D'accord, non, ça m'intéresse pas. Hop. Bon, à tout l'argent, hein, tant pis. C'est sur le principe, on est un voleur, donc on doit rapporter plus d'argent. Oui, je voulais voir par principe aussi la quête. L'homme ours port. À une jauge de détection d'incendie et fixer un détecteur d'homme ours port à une girouette. Girouette. Là-bas, d'accord. On peut repartir par là normalement. Je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre en fait. De mémoire, je crois que je vais être bloqué quelque part. On va bien voir. D'accord, et donc je voulais... Ah mince. L'armure sport, la jauge d'incendie, c'est au niveau du lac. D'accord, ok, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Hop, on y va en courant. Pipilipili. Pipipilipili. Pipilipi, pipilipi, pipilipili. Hop. Truc des gosses. Tu me tripotes les gosses? Oh mon dieu, j'ai vu un slip. J'ai vu un slip! J'aurais préféré ne pas le voir, je l'admets. Hop! Je voulais qu'il y aurait un SDF là-dedans. Salut! Oh mon dieu, ils ont des rats avec eux! Je vais devoir le tuer. Meurs! Et mon ami, là, va devoir s'occuper de ses soucis. Hop là. C'est fait. Raté! Tu veux réessayer? Regarde ça. Boum! Tu es mort. Ok. Quand on s'abrite 3 sur 7, on progresse, comme on dit. On progresse. Il y a un gros coffre ici. Teinture jaune orangée. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, les teintures, il faudrait qu'on revoie ça. Hop. Les teintures. Hop. Voilà. Et pour les gants, il y en a aussi. Oui, il y en a aussi. Cool. Voilà. Parfait. Nous sommes magnifiques. Alors, c'est par ici. Hop. Pourquoi je peux pas tirer sur la corde? Je suis vexé. Tiens, bouffe. Oh, je peux pas y aller. On va rentrer à l'intérieur alors. Hop. Parfait. C'est exactement là où je voulais aller, donc c'est génial. Hop.
Ok. Oh mon dieu, il y a un gamin. Vous l'avez vu? Il y a un gamin. Juste ici. Regardez ça. Oui, je t'ai trouvé. Oh. Quel dommage. Ok. Ça sert à rien d'aller plus loin. Hop. Continuons, continuons. Allons jusqu'au lac. Et essayons de résoudre toutes nos petites quêtes. Ce qui nous fera un petit peu d'XP pour le début de l'histoire, ce qui peut être toujours sympa. Bros. Shouldn't you be in school? Non. Oh mon dieu. Boum. Ok. Oh Christ, what a pickle. Hop les, tu es en sang. Tu es mort. Hop les. Hop les, ça c'est fait. C'est presque trop facile, moi. Ok, ça c'est bon. Hop, je crois que c'est la tenue d'assassin en plus, ça s'appelle. Hein. C'est pas un autre nom. Yo, tu veux pas être mon copain? Non, tu veux pas être mon copain. Ok, tu veux pas être mon copain, tant pis pour toi. Hop, on va passer devant chez Token, c'est pas grave. Salut! Ah oui, le garde. Ah! Hop, salut. Le mec qui dit bonjour en tapant. Oh man, I remember getting beat up right over here. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on it. Gave me the grossest wet willy right. Oh non, le City Sushi! Heureusement, le City Walk est encore là. Bon. Oh, une gamine. I couldn't decide where to hide. Oh, bah j'ai trouvé quand même. Ah non, c'est pas le City Walk, c'est la Tower of the Peace. Et là, il y a le City Walk, je suis con. Je suis complètement con. Pas rentrer dedans tout de suite. Jimbo's Gun. C'est là qu'on trouvait les meilleures armes, alors bon. Autant y aller, hein. Well, hello there, Jimbo and Ned. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. Effectivement. Hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats. But if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of the Hunter's Guide to South Park Wildlife. This book thingy here. D'accord. Divers. Voilà. Arme. Épée longue du combattant. Putain. Super katana. Oh la vache, les dégâts que ça fait. Truc de fou. Arbalète d'empalement. Oh la gueule. Faut être niveau combien? Niveau 14. Ah oui, il y a le temps. Je suis niveau 2. Il y a largement le temps. Masque à gaz. Ouh. Ceinture d'armes. Garde en fer. D'accord, c'est pour dévier les dégâts que tu bloques. Ça, c'est intéressant par contre. You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Compte sur moi, papy. Ned, tu parles pas. You remind me of a guy I served with in, Je croyais qu'il parlait pas assez, mais effectivement, il parle maintenant. Ah bah. La souris pénis. Oh mon dieu, non. Hop. Merde, j'ai pas réussi à la frapper à temps. Ok. On va le tuer en premier, c'est pas grave. Hop les, ça c'est fait. Hop. Je l'ai pas fait en parfait. Apparemment si pourtant. Ils font vachement mal n'empêche hein. Je vais tuer leur archer parce que sinon il va me faire des dégâts.
Hop. Vas-y, frappe. Ça c'est fait. Courroux des elfes. Hop les, je te botte le cul s'il faut, mais y a pas de souci. Allez viens, viens monsieur l'épéiste. J'ai pris trop de coups. Elle va pas le faire. Tiens, mange une grande potion. Oh, c'est bon ça. Hop. Oui, je lui parle comme si je parlais à un abruti. Ah, j'ai oublié. Putain, qu'est-ce que je suis con. Je suis complètement con, il avait la potion de riposte. Ah, je suis bête. Bon, ça nous en fait un de moins. Quoi qu'il en soit. Hop, les. Hop, dommage. Toi, je t'aurai. Boum. Tu l'as senti, ma grosse épée. Ah, ma grosse flèche, plutôt. Hop, les, boum. Lancé parfait. Et ça a marché, mon cher Butters. Ne t'en inquiète pas. Hop. De la poutine. On va avoir le droit d'entrer là-dedans. Ah oui, on a le droit. Ah oui, je me rappelle, il y a des rats. Je suis pas assez grand pour lui parler. Je vais faire le tour. Non ? Normalement, je suis censé pouvoir lui parler. Well, well, you're supposed to be some kind of knight of the round table. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Big uns. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller, then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Au moins il joue le jeu. Il joue le jeu, je suis désolé. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça joue le jeu. C'est propre. Salut les filles. Oula, vous avez pas l'air en forme pour des... Hop. C'est moi qui tape ou c'est lui qui tape? Let me hit him. Ok. Apparemment, c'est lui qui tape. C'est moi qui tape. Hop, on va commencer par ça. Hop. Elle est étourdie, elle attaquera pas. Et normalement, je devrais pouvoir en finir avec les deux de devant assez rapidement. Hop, ça c'est fait. Ce qui veut dire que je peux aller le taper, lui. Hop, les... Ça va laisser des marques. Merci. Ok. Je sens qu'il va y avoir un truc rigolo bientôt. Hop les. Bzzz. Hop. J'aurais dû prendre l'XP, j'étais stupide. Hop. J'aurais dû choisir l'XP. Hop. Hop les. Reste couché. Butters, fais-moi le ménage à l'avant. Hop, je l'ai raté, non. Je suis tellement mauvais. Qu'est-ce que t'essaies de me faire? Ils me font des cochonneries. Hop. Parfait, on en a eu un. Butters, à toi. Te foire pas, Butters. Boum. Voilà. Boum! Fait. Mais pourquoi j'aurais dû prendre l'XP en fait? J'aurais vraiment pas dû m'embêter. Ok. Yo l'ami!
La forme. Ah, tu ramènes des copines. Hop. Et boum. Better, cette fois-ci, on se loupe pas. Hop les. Parfait. Raté. Et boum. Allez Betters. Boum. Oh il a explosé, pas moi, je suis vexé. Je suis vexé chers amis. Bon. Niveau 3. Niveau 3, c'est intéressant. D'accord. Ok, c'est parti. Alors, je crois qu'il y a un coffre là-bas. Hop, avec une potion de réaction, un trophée de bowling. Rien de bien excitant. Hop. Ok. Il semblerait qu'on ait fait le tour. Non, ça casse ça normalement. Ouais, d'accord. Non, il semblerait qu'on ait fait le tour. Bon, tant pis. Tant pis. On remonte. Hello there. C'est fait. Tavernier. Damn if you ain't a noble knight after all. All right, kid, here you go. Merci. Oh, fléchette de barre. C'est une arme à distance, ça, non? Oui. Ouh, 35 x 3, 9 x 3. Ajoute 10 des dégâts en cas d'attaque parfaite. La cible se met à saigner en cas d'attaque parfaite. Waouh. Modifier. Je peux pas, j'ai rien à mettre. D'accord. Ok, ça m'intéresse. C'est pas un Shin Pokémon qu'il y avait dans le fond. Shin Pokémon. Ça brille en tout cas. Allez, je peux passer. Merci. Ah ah! Fleur Potam! C'est tellement un vrai nom de Pokémon en fait. Yo! Oh non! Non, c'est fermé! Non! Pas ça! J'ai fait tout le tour exprès! Faudrait que je puisse retraverser un endroit. Ou alors je passe par là. Tant pis, je vais prendre un. Un truc. Hop. Merci Timmy. Bon. Voilà. On se retrouve presque à la maison. Presque. Hop. Un Shin Pokémon là-bas. On va passer par là. Qu'est-ce qu'on a par là? Un peu plus qu'il y a là-dedans. Accidental toilet deaths. Crack baby basketball. Sorry kid, I'm too busy to talk to you right now. To the realm of the ancient ones, jizz dreams. OK, pas de soucis. Hop. Un portrait robot de pénis. Oh mon dieu. Hop. Si vous en voyez d'autres, là. Et parce que du coup maintenant j'envoie des fléchettes de barre. Ce qui est 100 fois plus stylé. Yo. Hey kid, find the key and bust me out of here. Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Yo. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Faudrait trouver la clé. Et elles sont là les clés. Trop con. Apparemment c'est pas ça. Apparemment c'est pas ça. Ok, on monte.
Sans personne me verra, je suis bien ninja. Hop. Crac. Hop. Salle d'épreuve. Ok, il y a un Shin Pokémon là-haut. Apparemment, il faut que j'aille chercher directement. Est-ce que je peux la toucher de là? Ah, dommage. J'aurais bien aimé. Kaumaun. Shin Pao Kaumaun. Hop. Je peux pas le casser. Il y a un bouton ici. Je peux pas l'appuyer dessus. Si, je peux appuyer dessus. D'accord. Pour aller choper le coffre. Ok, ça je capte. Grimace de bandit, duvet, d'accord. Chaîne en or qui brille, examiné, c'est quoi? Rapporte 5% d'argent supplémentaire. Aimant en Buckminster Fulren. Apporte 10% d'argent. Oh putain. Ça va tellement avec tout mon stuff. Hop. Ouh. Allez, ouvre. Perruque de voleur. Bah oui, forcément un roux. C'est tellement logique dit comme ça. On a toujours pas trouvé la clé, cela dit. Alors, là il y a un truc apparemment. Je peux acheter des choses. Oui, bah ça m'intéresse pas, je suis déjà full de partout. De toute façon. Hop, du PQ. Ok, why not. C'est fermé. Là par contre je peux ouvrir. Hop. Oh oui, j'avais pas vu. Génial. Ok. Ok, oui, je vois où je suis. Je comprends où je suis. Il va y avoir une arme ou deux là-dedans, non? Non. Bon. Potion de vitesse. Barbe-stache. D'accord. Autocollant tête de mort. Ajoute 5% de dégâts aux attaques armées. D'accord. 5 points de dégâts, pardon. Clé de cellule. Lunettes à monture fine. Ok. Est-ce que je peux l'équiper le... Ah, j'ai qu'un point. Qu'est-ce que j'ai ici? Hop, bah écoute, on va équiper l'argent. On veut plus d'argent. Hop. Et on ouvre. Et ça s'est reverrouillé derrière moi. Non, c'est bon. Et ici, on sort. On sort, on arrive où? On arrive où? Oula. D'accord. Ok. You looking for a fight? Oh, it's on. Hop. Salut les mecs. Vous vouliez vous battre? Yo, ok. Can't I just go right back home after the fight so I don't get grounded? Stop it. Hop les bouffe. Boum. Hop les, et oui, quand t'es en solo ça fait des dégâts de malade. Et vous avez vu les x3 saignements? Si c'est pas complètement épique. Par contre j'ai vu qu'on pouvait taper dans l'arrière de la bagnole. Pour une raison inconnue. Hop. Tais-toi, femme! Alors, on va aller sauver ce bonhomme. Sûrement une erreur judiciaire. Faux crâne, d'accord. Tatouage goutte d'eau, d'accord. Bon, rien de bien intéressant, du coup, finalement. Ok, c'est parti! Non, moi qui pensais que ça allait faire de la musique ou n'importe quoi. Je suis vexé. Je suis complètement vexé. Ok, eh bien écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam. Je comprends pas pourquoi ils sont encore là en fait, ils ont déjà repop. Hop. Hop les, ça prendra.
Voilà, il est décédé normalement. Et lui, il va mourir aussi. Voilà. Ça c'est fait, donc vous abonnez, rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom, dans pas trop lien dans la merde de la chaîne, comme ça vous pourrez être au courant quand je ferai des lives. En l'occurrence, je suis en train de télécharger un jeu que je ferai peut-être en live d'ailleurs. On verra le moment venu. Jusque là, portez-vous bien, faites attention à vous. Vous pouvez aussi cliquer dans les récipients de l'épisode ou directement dans la merde de la chaîne vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert plusieurs jeux sur la chaîne et je les en remercie infiniment. On va rentrer dans l'église et se laisser là, après une petite prière. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures dans South Park. Le bâton de la vérité.